bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être mes achats Noz. Bon, je suis passée à Noz aujourd'hui, j'ai acheté quelques petits trucs. Donc tout d'abord, j'ai acheté un blond éclaircissant pour venir blonde parce que j'en ai marre de mes cheveux bruns et donc je voulais revenir brune, blonde plutôt. Et je l'ai trouvé à 2,99 €. Ensuite, des apéro cracks, des maxi croquants. Goût bacon à 65 centimes. J'ai aussi trouvé un set de pinceaux. Donc en fait ça je... Enfin voilà, j'ai trouvé, mais bon, c'est vraiment histoire d'essayer. Parce qu'il y avait deux pinceaux, trois pinceaux qui me plaisaient sur 5. Donc ils coûtaient 2,50 €. Et c'est ces pinceaux-là. Donc je vais les regarder avec vous. Parce que je vois que la boîte est plus ou moins ouverte. Donc je regarde avec vous. Donc déjà, le manche est sublime. Oh, beau le pinceau. Vraiment beau. Vraiment très joli. Celui-là. Doux. Après, à voir avec le temps, mais ils sont vraiment très très jolis. Ensuite, il faudrait que je mette ça là. Une bébé crème sublime East de chez Diadermine qui me valait 3,99 €. Et j'ai regardé la teinte en magasin et elle me plaisait plutôt bien. Que je vous montre la teinte. Donc c'est vraiment une teinte. C'est vraiment ma teinte d'été. Parce que cet hiver, ça sera bien trop foncé. L'odeur, ça va. Alors, ma main avec le truc et sans le truc. Donc, très jolie. Ouais, vraiment, une couleur d'été. Bon, à tester. Mais bon, pour 3,99 €, je me suis dit, Clem, tu fonces. Des croustilles goût cacahuète. Donc, c'est des méga croustillants de chez Vico. Je vous ai dit, on achète pas mal de gâteaux apéro. Mais c'est vrai que mon copain, c'est un très, très, très gros mangeur de gâteaux apéro. On a souvent des copains à l'apéro. Donc, au lieu d'acheter des paquets... très cher, donc là au moins on goûte des paquets et ils ne sont pas chers et comme ça c'est beaucoup plus économique. Un déo floral, donc c'est Clicquot. Clicquot et jasmin, et celui-là je l'adore, je l'avais déjà, donc je l'ai racheté et pour 1,70 €, un déo, ça vaut le coup. Des petits saucissons secs Justin Bridoux à 2,45 € goût nature. Il y en a environ 18, donc bon, bah, c'est vraiment histoire de. Un gel nettoyant visage pour les achats malins, élimine les impuretés et purifie la peau à l'extrait de lotus. Je connais pas du tout cette marque. Après, je me suis dit, je vais tester. L'odeur extra et c'est Hélène, elle sait, je crois qu'elle en parlait plus ou moins dans sa vidéo à Chano, donc bon, ben, je me dis ça peut toujours être bon. Et celui-là chez Biotherme que j'ai est bientôt terminé, donc je suis contente, comme ça j'en aurai un d'avance. Encore des gâteaux apéro, et ça c'est des crunchy biscuits goût bacon encore. Donc ça je vous ai fait être à 60 centimes. Un gel douche de chez Fa à la vitamine power, donc Honey Melon. Et moi, je déteste le melon. Ah, je déteste, je ne peux pas manger de melon. Donc, je sais, c'est rare, parce que le melon, c'est rare que c'est vraiment un fruit, un légume qui est vraiment mangé tout l'été. Mais moi, je déteste ça. Par contre, ce gel douche, il sent vraiment trop, trop bon. Et il y en a 400 ml. Donc, j'ai le stock. Et il valait 1,75 €. Des spéciales... Jordan Crispy goût strawberry. Donc je pense que ça doit être fraises et noix. Donc ça, il a l'air trop bon. Et ça valait 2 €. Et je me suis dit, bah là, j'ai envie de tester. Et comme je refais plus ou moins attention à ce que je mange à mon âge, je me suis dit, ça pour le matin, c'est plutôt cool. Ensuite, une petite palette. Donc, c'est de la palette exclusive Bind Makeup Me. Et elle me donnait trop envie. Ça coûtait 1,99 €.
J'arrive pas à l'ouvrir. Mince. Ça, c'est cool. Voilà. Et je l'ai choisi en magasin et elle est trop belle. Donc, pour 1,99€, ça vaut le coup. J'espère qu'elle n'est pas cassée. Et voilà comment elle se présente. Et pigmentation de ouf. Je vais vous montrer, mais vraiment très belle pigmentation, quoi. Voilà quoi. Donc très joli. Donc il y a des belles couleurs. Bon. Je vais tester. Les fards pas plus poudreux. Par contre, c'est tous des irisés. Et une autre palette exclusive de chez By Mac. Là, c'est aussi beaucoup de teintes irisées. Pailletées, aucune normale. Donc pareil. Pour 2,50€. Moi, je teste. Hein. Après, c'est pas bien, mais bon, je me dis au moins pour 2,50€, ça vaut le coup. Mon joujou, je vais essayer de sortir ça. Ça fait du sport. Hein. Ça, je peux vous le dire. Bon, des petits pinceaux comme ça à l'intérieur, mais bon, ça, j'aime pas trop. Et oh, elle est belle. Que des couleurs effrisées aussi. Et super joli, je vais vous tester celui-là. Celui-là. C'est même très joli, regardez. Belle pigmentation, très joli à tester. Je vous ferai peut-être un maquillage et je vous montrerai en tuto. Par contre, je vais pas utiliser que des fards comme ça, que des fards brillants, parce qu'après, je ressemblais à une boule à facettes. Ensuite, de chez Evolut Derm, donc c'est un nettoyant de bleuet et de rose qui nettoie et rafraîchit vos yeux. Donc j'espère que ça marche, que j'ai plus beaucoup de machin pour nettoyer les yeux, comment dire, de démaquillant. Et ça, j'espère que ça va marcher. Et une lotion tonique sans impureté à la fleur de rose que j'ai déjà en gros format, que je vous ai présenté dans mes fins. Dans mes favoris, je me suis dit, bon, Clem, je vais racheter, comme il y a plutôt bien. Un shampoing, un peu aussi pareil, les achats malins, qui valaient. Les trucs évoluants valaient 1,80 pièces. Les soins malins, donc pour cheveux secs et abîmés, zéro parabène et zéro silicone, amande et olive. Ça sent. Oh, ça sent, vous savez, la colle Cléopâtre, là. Je sais pas vous, mais quand moi j'étais à l'école, j'avais la peau, le pot de colle Cléopâtre avec le petit truc là, quand j'étais en grande section. Et ça sent exactement ça. Donc, va tester. Un shampoing, c'est jamais perdu. Et un dentifrice de chez Vademecum Blancheur qui valait 1,43€. Donc, je sais pas du tout ce que ça donne. L'odeur, ça va. Ah, bon, à tester. Donc, c'est un spécial blancheur après. Ah, voilà. Par contre, je suis en fermé bouchon, regardez. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!